Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 21 livres pour Krakou. Ah, on va continuer la suite du livre Pat Patrouille. Ouais. C'est quelle lettre aujourd'hui? Le N. Oui. Hey. Et va manquer les litres. Comme quoi le N? C'est Jordan. Oui, il y a Jordan dans le N. Dans Jordan, il y a un N, oui. À la fin. Aussi. Comme la neige. Ouais, t'as la neige. Là aussi, t'as... Alors, comme nature. Ouais, aussi. Alors, vas-y, je voudrais bien voir le livre. D'accord. Il va manquer. Vas-y, tu vas le montrer. Wow. Attends, t'en veux avec. Ah oui, donc oui, il va bien parler de la neige. Je vois ça. Donc, c'est le numéro 15. Ouais, aussi, la neige, c'est en hiver. Oui, la neige, c'est en hiver. Allez, on va commencer. Il va l'ouvrir à la bonne page. Tu me l'ouvres à la bonne page? Oh, t'es trop gentil, mon petit Jojo. Les choux sauvent Stella. Où est la lettre N? Bienvenue dans l'univers du N. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, on ne va pas compter le nombre de N qu'il y a dans la page. Pour découvrir le N, la 14e lettre de l'alphabet, voici une nouvelle histoire. Il y a 22 E. Ah, d'accord. De la 23, vas-y là. 23. D'accord. Voici une nouvelle histoire de la Pat Patrouille. Les chiots sauvent Stella. Alors que Stella rejoint son amie Astrid, la proue des acrobaties aériennes, elle est prise dans une terrible tempête de neige. Heureusement, toute la Pat Patrouille est là pour intervenir. Rassemblement avec Ryder et ses amis. Et n'oublie pas, aucune mission n'est trop dure car la Pat Patrouille, elle assure. Il y a Grisouille qui est là. Il vient écouter l'histoire. Ouais, et t'as Timidou, et t'as Timidou, maman. Ouais. Maman, t'as pas Timidou. C'est pas grave, on va commencer. C'est pas grave, ça va te mentir, maman. Il est venu écouter l'histoire, Grisouille. Il neige fort sur la Grande Vallée. Astrid, la championne d'acrobatie aérienne, s'entraîne dans le ciel tout en parlant à la radio avec Stella. Les deux amis se donnent rendez-vous au chalet de Jake. J'espère pouvoir atterrir malgré la tempête. Alors que les chiots s'amusent devant la tour de contrôle, Stella déploie ses ailes et s'envole entre les énormes flocons de neige. Direction le chalet. Mais le blizzard est très fort. Stella est déséquilibrée. Elle percute alors un sapin, perd son collier et atterrit avec fracas dans la Papa m'a tenté la métata et là il y avait qu'un. Oui. Moi tenté dans ma tête. Stella reprend ses esprits. Oh non, mon aile s'est tordue et je ne peux plus voler. Et ma patte me fait souffrir. Et comment appeler Ryder sans mon collier? Il ne reste plus à Stella qu'à marcher jusqu'au chalet de Jake. Du côté de chez Jake, la tempête s'est calmée et Astrid peut atterrir en toute sécurité. Devant le chalet, Everest s'étonne. Stella devrait être là. C'est étrange, se dit-elle, inquiète. Elle tente de joindre son amie sur son collier, mais pas de réponse. Astrid, avertie par Everest, décide aussitôt de contacter Ryder. « Ne vous en faites pas !» répond le jeune garçon. « Nous allons la retrouver. » Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Il appelle la Pat Patrouille au rassemblement. À la tour de contrôle, les chiots sont prêts à l'action. Ils écoutent les instructions de Ryder, le jeune garçon. Et Chase file ensuite rapidement en mission. Il faut agir vite et retrouver Stella avant la tombée de la nuit. Il y avait Claire et la De son côté, Stella, frigorifiée, avance avec peine dans la neige. Soudain, trois petits lapins
pointent le bout de leur nez. Vous êtes un peu petit pour m'aider, sourit Stella, mais je vous trouve mignon. Je vais me reposer avec vous sous votre arbre. De son côté, Astrid survole la montagne enneigée. Lorsqu'elle aperçoit des traces d'un atterrissage forcé. Ce doit être Stella. Astrid appelle Ryder. Le site de l'accident se trouve près d'un rocher qui ressemble à un ours. C'est le roc du vieil ours, répond Ryder. Ryder contacte Everest pour qu'elle se rende sur les lieux au volant de sa motoneige. Puis Ryder et Chase arrivent au pied de la montagne. Ils utilisent un drone pour localiser Stella. Ryder, regarde! Le drone a repéré le collier de Stella. Stella ne doit pas être bien loin. Le drone suit les empreintes laissées dans la neige et repère le casque de Stella et de ses petits lapins. Mais nulle trace de la petite chienne. Si le drone ne peut pas les repérer, Stella peut-être que Stella pourra repérer le drone, pense Ryder. Là, elle avait pas. Chase active alors la sirène du drone. Stella l'entend et fait de grands signes dans sa direction. Ryder contacte Everest. Laisse-toi guider par la sirène du drone et tu retrouveras Stella. Mmh. Everest rejoint enfin son ami, mais une grande pente les sépare. Everest envoie alors à Stella sa luge de secours, qui bondit de joie en plein dedans. Saute toi aussi, dit-elle au petit lapin, qui fait le chemin avec elle. Everest rassure les deux amis. Vous serez bien au chaud à l'intérieur du chalet de Jake dans moins de 2 minutes. Waf, waf, jappe de joie Stella, heureuse et soulagée d'avoir été retrouvée. Ryder, content de cette nouvelle, appelle la tour de contrôle pour rassurer les chiots restés là-bas. Nous avons sauvé Stella, mais nous avons besoin de toi, Marcus, pour l'examiner. Rejoins-nous au chalet. Le Dalmatien, en peu de temps, arrive chez Jake. Stella se réchauffe au coin du feu. C'est à la patte que j'ai mal. Marcus se plaint la petite chienne. Je vais vérifier avec mon scanner au rayon X. Lui répond Marcus. Ryder se rapproche de ses amis. Alors, Marcus, comment va-t-elle? Elle a attrapé froid et elle a une patte endolorie. Mais ça rien de cassé. Ça veut dire ça. Endolorie, ça veut dire qu'en fait, elle était tellement dans le froid que sa patte, elle est un peu engourdie, elle a pris froid, elle a un peu gelé. Ah, d'accord. Mais rien de cassé. Stella est rassurée. Donc, Marcus, tu peux à présent m'enlever cette collerette ridicule, supplie la petite chienne en montrant le petit cône en plastique autour de son cou, qui la maintenait immobile le temps de l'ausculter. Bien sûr, rigole Marcus. C'est à ce moment-là que Jake entre dans le chalet. Qui veut du bon lait chaud pour se réchauffer ? Miam, tout le monde saute de joie. Merci d'être parti à ma recherche, les amis, dit Stella émue. Nous avons été aidés, répond mystérieusement Ryder, lorsque soudain la porte du chalet s'ouvre. Astrid apparaît. Stella lui saute dans les bras. Maintenant que tout le monde est là, dit Astrid, qui veut voir des acrobaties? Et c'est dans un ciel dégagé, sans la moindre tempête de neige à l'horizon, que
tous les amis regardent avec admiration. Pourquoi t'en faisais? Attends, je vais t'expliquer. Les loupines d'Astrid. Quelle soirée extraordinaire. Donc oui, l'avion est à l'envers parce que en fait, elle fait des acrobaties avec son avion. Alors, les loupines, ça fait ça. C'est pour ça qu'elle se met en... Et c'est pour ça qu'elle se met à l'envers. Oui, les acrobaties, en fait, c'est faire des formes dans le ciel. Et les loupines, par contre, c'est faire des tours sur soi. Ok. Alors là, on va faire le jeu. La lettre N. Patate, moi, vas-y. Oui, non, mais moi, il faut que je raconte. Un manteau. Dans cette aventure, tu as découvert la lettre N. La Pat Patrouille te propose à présent de t'entraîner à repérer cette lettre. Sauras-tu trouver tous les N présents dans ces mots? Donc, ils sont faciles. Les N sont marqués en rouge. Ouais, dans, alors, vas-y. Dans manteau, il y a le N. Bonnet, lapin, nuage. Libet. Et motoneige. Et l'avion. Ouais, l'avion. Et dans bonnet, il y en a combien de N? Deux. Et oui. Dans lapin, un. Et oui. Donc voilà. Il y a deux. Voilà un peu une nouvelle histoire de la pâte. Pas trop. Nous déjà lu ça, déjà lu. Oui, on a déjà lu les autres. Donc voilà, on est au numéro 15. Là, il n'a pas lu. Oui. Bon, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un... La barre des bonbons. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Bisous. Allez, à la prochaine. Bye bye. Et papa, petit bisous.